Et salutations, mes chatons, c'est Chicouette. Et oui, on se retrouve enfin. Alors, c'est la première vidéo, enfin, vidéo, je suis pas face cam, mais première vidéo après les vacances, parce que oui, j'étais en vacances pendant une semaine. Donc, je suis revenue, je suis revenue, je suis revenue à dimanche, et puis après, là, c'est la semaine du bordel. Je crois que. Je crois que ça porte bien son nom. C'est vraiment la semaine du bordel. Étant donné que déjà, en tant que femme de ménage avec donc du coup le métier en équipe du matin, enfin la société pour laquelle je travaille ne travaille pas les jours fériés. Donc voilà. Et donc le lundi, mardi et vendredi, oui, pas de pont du coup. Faut rattraper les chantiers. Les chantiers des 2 jours fériés. Donc c'est un petit peu casse-bonbon, hein, et voilà. Mais bon. Voilà pour ça déjà, hein, c'est pour ça le bordel. Et le deuxième bordel de la semaine, c'est le fameux concours. Donc on est bien d'accord que c'est le concours du Paris, hein, que j'ai mis. En ligne plus enfin qui merde, j'arrive pas à parler. Et celui aussi des 11 ans. Donc voilà. Et bah comme d'habitude, quand je vous dis que j'ai pas de chance. Voilà. Je précise d'avance alors qu'il y a pas tous les noms dans le sens où il y a des personnes qui ont participé et donc qui ont eu les mauvaises réponses, ce qui est normal. Parce que oui, j'ai fait un Google Form et ça sera la seule et unique fois, je vous assure, parce que normalement c'est censé automatiquement entre guillemets, hein, enregistrer les mails des participants. Et ben j'ai pas tout eu, donc je trouve ça trop bizarre. Les trois premières réponses, ça m'avait marqué réponse 1. Ensuite 2 et ensuite 3. Et ensuite ça m'a mis les mails des gens. Donc là vous me voyez venir, les mails des gens, je peux pas. À part une que j'ai reconnue parce qu'il y avait la photo. Il y avait la photo de son. Bah de la petite bulle là. Et que je l'avais reconnue parce que c'était la même photo que son profil YouTube. Donc je l'ai reconnue. Tout de suite d'ailleurs. Et donc voilà, qui faisait partie des bonnes réponses. Donc, pour faire simple, j'ai fait mon petit papier à côté, je regarde. Il y a trois personnes qui ont eu un mail et qui m'ont répondu. Voilà. Et ensuite, il y en a deux qui n'ont pas mail, mais qui m'ont répondu sous les commentaires YouTube. Et une qui a eu la bonne réponse, mais j'ai pas le mail, mais de toute façon, vu le bordel. Et j'ai décidé tout simplement d'arrêter ma recherche, tout simplement, parce que ça prend trop de temps. Et en même temps, vu comment c'est parti en cacahuète, d'ailleurs, il y a eu un mail que personne, enfin, que quelqu'un ne m'a pas répondu. Voilà. Donc, je vais pas attendre 36 000 temps. Parce que c'est aussi un petit peu de ma faute, hein, à vrai dire, mais bon, voilà. Et après, quand j'ai vu le calcul, donc j'ai fait, ah, c'est des habitués des concours, donc ça me fait plaisir. Et une, il me semble que j'ai, je sais pas si j'ai vu une fois, mais voilà. Mais sinon, le reste, voilà. Et je pense aussi au successeur, parce que, bah oui, mais le temps a coulé par-dessus ça. Et donc il se rappelle plus ce qu'il avait marqué, nani nana. Voilà. Donc c'est compliqué. En vrai c'est compliqué. J'espère que vous m'en voulez pas. De toute façon ça sera le seul et unique sous forme de Google Form parce que franchement, j'ai pas envie d'en refaire d'autres dans le sens où c'était tellement de bordel pour récupérer et tout. Après voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai voulu tester. Voilà. C'est pas grave. Si je trouve c'est beaucoup plus simple à faire et que j'y suis pas arrivée, mais c'est pas grave.
je vais pas faire un caca nerveux, mais voilà. Donc oui, je suis désolée, la vidéo va être un petit peu longue, c'est pour les explications. Voilà. Donc, je vais vous expliquer l'ordre du coup. Ça change pas hein, de ce que je fais d'habitude par contre. Donc, là, normalement, donc du coup, c'est normal que je mets les deux prénoms en premier qui ont répondu en premier. Donc, il y a marqué réponse 1, 2 ou 3. Par contre, je sais pas l'ordre. Et donc, pour le coup, là, j'ai mis par ordre alphabétique par rapport aux deux premières. Je me suis pas couru, je suis en train de regarder. Attends. Oui, c'est normalement, je me suis pas couru. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, il n'y a pas beaucoup hein, du coup de personnes. Ce qui est normal, je m'en doutais un petit peu. Et puis, il y a un. Il y a un produit aussi qui fait que. Et puis, j'avais oublié de préciser aussi que. Il y a des gens qui savaient pas par rapport au lien Google Form, donc forcément il y a moins de monde. Je m'en doutais qu'il allait y avoir moins de monde, donc voilà. Donc dans l'ordre, ça fait Linda et Madame Mat 89, donc ça c'est Fanny. Voilà. Ça c'est ceux qui que j'ai pas eu en mail et qui sont certainement eu la bonne réponse et je le sais. Par rapport bah, aux trois réponses, il y avait une mauvaise réponse, il me semble, dans les trois réponses où il n'y a pas de mail. On va y arriver! Et ensuite, bah, je vais faire avec les mails, du coup. Les trois prochains, c'est avec les mails. Et la dernière, je n'avais pas de mail. Donc voilà. Donc, en troisième position, c'est Laetitia, bien évidemment. Ensuite, c'est Théolola. Et ensuite, c'est Lila D. Et du coup, la dernière personne avec qui bah, j'ai pas eu de réponse sur YouTube, je crois. Enfin, en tout cas, pour le mail, pour la réponse, oui. Mais voilà. Donc, c'est Sabrina. Et arrête-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ta première participation. Et si c'est pas la première, ça doit être la deuxième. Voilà. Donc, j'en suis désolée pour tous les autres. Voilà. Alors, c'est pas évident pour moi là. C'est le deuxième concours là qui me met en. Enfin non, là c'est le premier qui me met en porte-à-faux, façon de parler. Mais voilà, c'est compliqué. Hein. Là, j'avoue que là, ça, je sais pas si ça se voit, mais je suis pas très à l'aise en fait, dans le sens où je sais qu'il manque des personnes. Au moins une ou deux personnes. Et ça me fait chier. En toute honnêteté, ça me fait chier. Et voilà. Ça prive des places. Et puis le fait que les gens n'avaient pas compris pour le lien Google Form. Enfin, voilà. C'est un enchaînement de mauvaises choses. Mais bon, voilà. Ça sera le dernier sur le Google Form. Parce que j'ai pas envie que ça recommence ça. Voilà. Ça sera comme d'habitude avec les mois participés pour les autres concours. Voilà. Là, c'était exceptionnel vu le pas pour les produits mais surtout celui de Mac, il faut que j'achète voilà quoi, ce qui est normal. Du coup, voilà, je vais faire le putain depuis tout à l'heure je parle mais est-ce que ça oui, ça fonctionne normalement. OK, pardon. Vous avez vu quelqu'un mais c'est pas grave. Donc je vais tirer au sort, donc je vous souhaite une bonne chance quand même pour ceux qui sont là. Et puis, bah, ceux qui sont perdus, bah je suis désolée d'avance. Et puis bah on se retrouvera prochainement pour le concours. Ça vous en êtes sûr. Voilà. Ouh, allez, c'est parti. Merci d'être là en tout cas. Eh bien, félicitations à toi, Sabrina. Tu as gagné. Donc, si c'est ta première participation, bah, félicitations parce que tu gagnes pour la première fois. Si c'est la deuxième, bah, tu gagnes quand même pour la première fois. Voilà. Tu as une semaine pour me contacter soit par Instagram qui est Chicouette, soit par YouTube, je vais dire.
Soit par mail, c'est chiquette. Ah oh, putain, je me rappelle même plus. C'est grave. Je suis perturbée, c'est un truc de fou. Attends, c'est chiquette@yahoo.com. Oh putain, Beverly. Voilà, de toute façon, je le mettrai sur l'écran. Voilà, si d'ici une semaine après que la vidéo soit mise en ligne, je retirerai une personne. Et ainsi de suite. Voilà. Désolée pour les autres. Et puis, à la prochaine. J'en peux plus. Oui, 10 minutes d'explication juste pour ça. Mais bon, fallait que je sois claire avec vous. Et voilà. J'en suis désolée d'avance. Allez, bisous!